Alors, la science ouverte, comment vous imaginez ça? Ah bon, je le vois en image, par exemple, c'est comme de l'or. Tant qu'on ne frotte pas, ça ne brille pas. Voilà quelqu'un qui essaie de trouver quelque chose, il a sa main, il est anxieux, il est stressé parce qu'il n'arrive pas à partager ce qu'il a. Et à la maison, il dit à la femme, bonjour, ah, c'est quoi? Et quelque chose tombe. Mais si, c'est quoi? Mais c'est ça ce que je voulais. Quoi? Mais non, excuse-moi, ce que tu viens de dire m'a ouvert encore l'esprit. Et c'est ça, à partir de ce moment, il ne va pas dormir parce qu'il va se réveiller pour travailler. Et en même temps, il va dire, mais pourquoi pas ne pas partager avec les autres? L'autre, ah oui, ça aussi, ça aussi. Et après, boum, c'est comme des étincelles et ça brille, le monde est beau. Et à ce moment, en créant, en partageant ton savoir, ça ne fait que grandir, te faire grandir. Parce que l'idée principale, c'est l'idée qui est à toi et tu l'as développée, c'est bien, c'est d'abord toi. Et en le partageant, ça ne fait que rayonner le monde et le monde est en développement. Et voilà. À deux. Voilà.